Raphaël, tout le monde attendait impatiemment ton retour au plus haut niveau. C'était le cas ce soir, on a retrouvé le Raphaël Audra qu'on connaissait. Je pense pas encore qu'on soit à ce niveau-là. Il y a eu des belles choses, mais après, bon, le manque de rythme qui se fait énormément sentir, le physique qui revient mais qui est pas encore à 100%, loin de là même. Donc je me fais surprendre sur ce high kick, mais pour moi, j'étais pas trop sonné. Je le prends en même temps que je suis à proximité de son coin, il y avait de l'eau qui traînait par terre. Donc pour moi, c'est plus glissé qu'autre chose. Sans ce knockdown, c'est évident que je remporte haut la main. Avec le knockdown, c'est plus discutable. Encore tout à prouver. Combat qui me satisfait pas pleinement du tout. On attendait aussi que tu retrouves ton fameux cardio. C'était le cas aujourd'hui, t'avais des bonnes sensations? Ça c'est beaucoup mieux, ça revient, mais c'est pas encore ça. Il faut que je travaille encore. Il faut encore travailler à ça. Il faut que ça revienne. Il me faut du ring, il me faut beaucoup de ring. Il faut retrouver le rythme. C'est une victoire, j'imagine, importante psychologiquement aussi pour revenir au plus haut niveau. Oui, là, du coup, ouais, déjà, le premier pas en Suisse, c'était un peu un défi personnel, c'était moins vu côté des médias, c'était pas en France, c'était en K1. Là, c'était vraiment un énorme plateau ici, occasion de se refaire voir, de revenir vraiment dans le circuit. Donc là, oui, une grosse étape qui a été franchie. Il faut se concentrer sur la suite et il faut encore mettre les bouchées doubles, il faut encore tout prouver. Ok, merci et bravo à toi. Merci.